Eh bien, salut tout le monde, c'est Augustus40, on se retrouve pour une vidéo d'achat-revente. Ça faisait longtemps que j'en avais pas sorti sur cette chaîne, je crois que j'en avais sorti aucune. Et je vais vous montrer la meilleure technique du moment, je pense clairement. Pour les petits budgets, évidemment, c'est vraiment une technique de fou, hein. Ça fonctionne, je vous montre vite fait à la Toti, j'ai fait une équipe. Hein. J'ai fait une équipe, du coup j'avais zéro crédit, j'ai fait des matchs et je suis déjà remonté à 46 éléments, à plus de 1000 crédits. Ça ferait plus de 50 000 crédits si je vends tout ça. Donc je vais vous montrer vite fait cette technique. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère que la vidéo vous plaira. Si la vidéo vous plaît, dites-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo avec le nom de tous les joueurs qui marchent avec cette technique. Alors la technique, c'est quoi? C'est la technique, on va l'appeler la plus 400. C'est un mélange de plein de techniques, hein, de la millionnaire, de la BPL, de la technique AVG, AVD. Voilà, c'est un combo le machin. On va voir tout de suite. Alors c'est pas compliqué, vous allez en BPL, vous mettez or. Déjà vous mettez 600 prix de départ et vous mettez 1000, moi j'achète pas, enfin j'achète rarement au-dessus de 1000. Et on va faire par poste, je vais vous dire ce qu'il faut faire et pas faire. Les gardiens, ça se vend, vous allez au moins cher. Il me reste que 1600 parce que j'ai rempli ma pile. Les gardiens, ça coûte à peu près 800 crédits. Et le truc c'est que vous l'achetez à 7 contrats. 7 contrats, 99 de forme. Voilà, par exemple Forster, et vous mettez plus 400. Et voilà, vous faites pas chier, c'est un bénéf de un peu plus de 300 crédits. Et voilà, vous mettez plus 400, c'est tout con. Ça marche, voilà, hein. Vous prenez des Pantilimon, des Forster. Ça c'est intéressant. Voilà, on va prendre Pantilimon. Voilà, j'ai plus de crédits pour vous montrer les autres joueurs. Voilà, Pantilimon, 1100. Voilà, vous l'achetez à 700. Les gardiens, c'est en dessous de 800. Hein. Vous vendez 1200 ou 1100. Voilà, c'est en dessous de 800 crédits. C'est pas compliqué. Les défenseurs droits, c'est un peu plus cher. Après, vous vous fiez au prix du marché. Hein. Si les défenseurs droits augmentent et qu'ils coûtent 1000, vous les achetez à 1000. Hein. Évidemment, moi j'en ai acheté à 1000 un petit peu. Là, vous regardez à 900, il y en a. Est-ce qu'il y a à 800 je pense pas qu'il y en ait. Si, à 800 il y en a un, mais à 700 même, je peux pas le prendre. Ben vous l'aurez acheté, enfin vous l'achèterez là, et vous le mettez à 1100, ben là il sera plus, hein, là il doit plus y être. Hein. Si quand même, hein, les gens ils sont pas pressés. Voilà, vous l'achetez par exemple à 700, vous le mettez à 1100, hein, si vous l'achetez. Ben normalement, ouais, à 800 il y en a même pas, alors vous pouvez même le mettre plus cher. Là on va dire c'est 900 les moins chers, vous les achetez à 900. Vous les mettez à 1300 tout simplement. Il faut juste qu'il y ait 7 contrats 99 de forme. Défenseur gauche, c'est pareil. Là, c'est un peu moins cher. Si vous demandez, on prend quoi entre défenseur gauche et défenseur droit? Je vous dis direct, prenez les défenseurs droits, ça se vend mieux. Les défenseurs gauche, si vous pouvez éviter José Enrique, faites-le, il se vend. Mais c'est pas le meilleur, quoi. C'est pas le meilleur. Bon, les défenseurs gauche, ça a l'air d'être à 900 crédits. Vous fiez au prix du marché. Hein. Vous fiez au prix du marché à 850. Si vous l'achetez à 850, dites-vous que vous l'avez acheté à 900 et voilà, vous le mettez à 1300. Comme ça, vous faites un meilleur bénéfice. Là, par exemple, Kolarov à 850, je l'aurais bien pris. Je l'aurais mis à 1300 crédits tout simplement. Les MDC, je m'en occupe pas. Les MC. MC, je vous déconseille, et c'est que sur les ors rares, hein, cette technique. Dans cette vidéo, on va juste voir les ors rares. Ça va être une vidéo assez rapide, je vais essayer de faire ça vite. Les MC, ouais, je vous déconseille les MC. Si, à part si vous voyez un autre que Gardner et Arteta, là vous pouvez prendre. Si vous voyez un autre joueur que Arteta et Gardner, Arteta, je vous le déconseille franchement. Après, il peut partir avec cette technique.
Voilà, les MC, je m'en occupe pas vraiment. C'est clair que si vous voyez un autre que ces deux-là, prenez-le directement. Mais voilà, je vous déconseille les MC. Les MOC, je vous conseille pas trop. Pareil, hein, il y a plein de ces saignants et tout ça qui gâchent tout. Il y a plein de ces sinon. Nate Smith, si vous le voyez en version Norwich, prenez-le parce qu'il a été transféré. Pareil, Atsu et tout ça, si vous voyez à 1000 crédits, prenez-le directement. Nate Smith, pareil, hein, vous pouvez prendre à 1000 crédits. Après, vous pouvez faire sur des joueurs un peu plus chers que 1000 crédits, les vendre 400 crédits de plus, voilà. Nate Smith, la version Norwich, hein, vous pouvez la prendre la 800, vous la mettez à 1200, ça va partir. Voilà, je fais pas trop sur les MOC. Moi, je vous dis, à la base, je fais plus sur les gardiens, les défenseurs droits, les défenseurs gauche, les attaquants droits, les AVG, les AVD. Voilà. Mais les attaquants gauche, les MO, certains MOC, ça peut partir. Les DC, on va voir vite fait les DC en 2 secondes. Les DC, faut pas prendre n'importe qui. C'est pour ça que je ferai pour les DC, les AG et tout ça, je ferai une vidéo spéciale. Hein, je vais pas vous conseiller de prendre tous les DC là, parce qu'il y a plein de joueurs à pas prendre. Par exemple, celui-là, il faut pas le prendre. Olson, il faut pas le prendre. Pour les DC et tout ça, ben, je vous dirai lesquels prendre. Distinct, ouais, et vous pouvez le prendre s'il a 7 contrats à 99 de forme. Et voilà, vous mettez plus 400 crédits. Les AD, AVG, AVD, à 1000 crédits, vous faites ça en tech 59. Et vous mettez plus 400 de plus et ça va partir. Et voilà. Je vous referai une vidéo avec le nom des joueurs. On va faire le tour des joueurs que j'ai à vendre. Johnson, Mignolet 800, Ross Barkley aussi, hein, j'ai mis à 1000. Pareil, lui je le mettrai dans la vidéo des noms. Begovic est une exception, je vous le mettrai dans la prochaine vidéo. Là vous voyez beaucoup de Zaha en tech 59 à 1000, à 900. Zaha, lui... vous embêtez pas si vous l'avez à 800 et tout, vous le mettez à 1400, comme vous voulez. Si vous voulez le mettre à 1002 pour qu'il parte vite, Luke Shaw, pareil, une petite exception. Là, je l'ai eu à 1002, mais lui, je l'ai eu à 1000. Du coup, voilà quoi. Lui, je l'ai eu à 1000, je le mets à 1400, l'autre, je le mets à 1600. Voilà, ça, c'est à peu près les joueurs que j'ai à vendre, hein, du Rose, du Pantilemon, du Baba. Et prenez que quand ils ont 7 contrats et 99 de forme. Lui, c'est... j'ai eu un tech 59. Voilà, j'ai eu un 950. Lui, j'ai eu un 1000... je l'ai mis à 1003 parce qu'il a pas 7 contrats. J'aurais même pu ne pas le prendre. Il y en a un autre là, il a que 6. Hein, mais ça, c'est un tech 59. Des fois, vous faites un petit peu avoir sur ça. Hein, Begovic, je crois que c'est un tech 59 aussi. Du coup, il va galérer à se vendre. Lui, il a pas toute sa forme. Si vous avez le choix, évitez de prendre les 88 de forme et tout ça. Après, bon, il a qu'un 13 contrats, ça peut compenser un petit peu le manque de forme. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo d'achat-vente assez rapide. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous voulez d'autres vidéos d'achat-vente comme ça, d'autres techniques très bien pour l'achat-vente. Là, c'est pour les petits budgets. Je vous dis clairement, si vous avez votre pile à 100, vous faites plus de 100 000 crédits dans la journée. Si vous faites, si vous jouez toute la journée à peu près, vous faites 100 000 facile. Hein, si vous relistez sur la web et tout ça, vous faites facilement 100 000 crédits avec cette technique. J'espère que vous l'avez compris. Hein, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Je vous ferai une vidéo sur les noms des joueurs. Je sais pas quand, pas aujourd'hui, mais peut-être dans 2 ou 3 jours. Vidéo avec les noms de tous les joueurs qui marchent bien avec cette technique. Et voilà, c'était Augustus 40. Ciao tout le monde.